Ok, voilà la weed pour Bounce to This, le site de rap et de hip-hop. Encore un truc de fou, malade pour tous mes sauces, qui gazent les sauces, qui osent se prendre pour des sauces, bah. Tout le monde lève le watt, mon number one MC, c'est de Créteil City, c'est, ça fait si. J'ai commencé à rapper il y a... Allez, j'avais quoi, 14-15 ans, tu vois, force de regarder les clips à la télé, tu vois, nos modèles à nous, c'était les Method Man, tout ça, on les voyait à la télé, les Tupac, Biggie. J'écoute beaucoup de rap américain, tu sais, les rappeurs aujourd'hui, on va dire un peu à l'ancienne, tout ce qui est Nas, Tupac, Biggie, Wu-Tang, Dre, Snoop. Et j'écoute aussi ce qui se fait dans la nouvelle école, à savoir les nouveaux comme Wale, Wiz Khalifa, Drake, Nicki Minaj, Lil Wayne. J'écoute aussi. Mais je kiffe aussi le rap français, beaucoup. Hein. J'aime beaucoup le rap français. Je suis un gros fan de Booba, un gros fan de Rof, un gros fan de Kery James. J'aime le rap français, je suis fan. Je les idolâtre pas, mais je suis fan, tu vois. Je respecte leur travail, ils m'ont beaucoup inspiré. Bien sûr, les géants comme IAM, NTM, on va pas mentir, hein. On les a écoutés toute notre jeunesse. Voilà. Tout ce qui est Sektora, tout ça, faut rendre à César ce qui est à César, t'as vu. Ils ont fait du bon rap, et je soutiens, je kiffe. Voilà, quoi. La banlieue aime ça parce que je rappe cool. Je plais aux reines, ça qui compte sur leur boule. Donc là, en fait, il y a ma mixtape Ghetto Youth volume 1 qui est sortie en 2010, début 2010, en mars 2010 pour être précis. Il est sorti sans distrib, je l'ai mis en dépôt-vente dans quelques magasins, dans quelques Fnac. C'est mon deuxième projet que je sortais, parce qu'avant ça, j'avais fait un CD promo 3 titres que j'avais distribué gratuitement. Et je l'avais tiré à 2000 exemplaires à l'époque, je me rappelle, j'étais vraiment fier de ce projet-là. Et donc suite à ça, j'ai fait Ghetto Youth volume 1. C'est ma première mixtape. Franchement, pour la définir, j'étais entier dedans. La mixtape, je l'ai appelée Ghetto Youth parce que pour pas dire ouais, je suis un mec ghetto, je tiens les murs, etc. Tu vois, Ghetto Youth volume 1, je suis fier de cette mixtape parce que je me suis beaucoup livré. Je l'ai écrit comme si j'écrivais un album. C'est des morceaux, je les aurais posés sur des faces A, je les aurais clippés, je les aurais défendus en radio, etc. Ça aurait été vraiment un gros projet. Je suis fier de certains morceaux dont personne n'est parfait. Parce que. Je voudrais pas te raconter ma life en un freestyle. Aussi long soit-il, inutile de dire que j'ai galéré grave. Je rappe pas pour entrer dans l'histoire, ni pour chercher les histoires, mais donner de l'espoir aux frangins et aux sisters. On se motive nous-mêmes, on s'entraide. C'est vrai, des fois on s'engraine. Sans mes semblables, j'aurais pas tant d'exemplaires. Y'a les doubables, les Renoir et les Bico. Je ne cherche pas d'île chez Bico. Ils viendront voir que j'aurai beaucoup de clicos. C'est un morceau où je raconte un peu tout ce que j'ai vécu, les choses qui m'ont marqué. Voilà, on fait tous des erreurs, moi le premier, tu vois. J'ai fait un morceau en créole aussi, en mouei. C'est un morceau en créole, je suis vraiment fier, tu vois. Dans tous mes projets, j'essaie de mettre un morceau en créole. Il y a le morceau Musique ma vie, tu vois. Musique ma vie, voilà, le titre, il parle de lui-même, tu vois. Musique ma vie, moi je suis fait pour faire de la musique, tu vois. Bien sûr, je travaille à côté, etc. J'essaie de m'en sortir, tu vois. Mais la musique, c'est ma vie, tu vois, j'arrêterai jamais. Ça marche ou pas, et ben la musique, ça reste ma vie. Donc voilà pourquoi je me suis beaucoup livré et j'ai pas fini de me livrer. Voilà. J'écris toute la nuit jusqu'à l'aube, j'en ai perdu le sommeil. Des fois je m'endors le casque sous les oreilles parce que sans la musique ma vie n'a pas de sens. Et pour te dire vrai, j'aurais du mal à vivre en son absence. Yeah. Ben, concernant les retours par rapport à la mixtape, je suis vraiment très content. Sans attendre, vraiment, je voulais voir ce que les gens allaient en penser pour un premier projet qui sort dans les bacs, etc. Et franchement, les retours, ils m'ont beaucoup encouragé. C'est les retours qui m'ont donné envie de faire la 2, tu vois. Les gens, ils ont compris un peu là où je voulais aller. Il y en a qui n'ont pas compris tout de suite. Avec le temps, il y a des gens, vraiment, j'aurais vraiment pas pensé qu'ils viendraient vers moi. Ils sont venus me voir et m'ont dit, ouais, ils ont compris la mixtape, ils sont partis l'acheter à la Fnac, ils l'ont écouté. Ils ont vu là où je voulais aller et ça peut que motiver. Donc ça m'a donné envie de faire Ghetto Youth volume 2 et je suis vraiment fier de cette mixtape. Dans la Ghetto Youth volume 2, vous allez voir un côté de moi, mais... des barres de rire, vous allez rigoler, vous allez voir de l'intro à les petites interludes cachées, je vous le dis, hein, parce que j'ai pas écrit, hein, c'est, faut vraiment écouter la mixtape pour trouver des petites phases cachées, des trucs, des morceaux, pour moi, ils sont super marrants, aujourd'hui, je les écoute encore dans ma voiture, je tape des barres de rire, tu vois, faut écouter la une, parce que la une, elle va avec la deux, en fait, c'est une suite logique. Voilà, c'est vraiment la 2, c'est tu l'écoutes et tu passes un bon moment, tu rigoles, il y a du rap, il y a du kickage, tout comme il y a du vas-y, viens, on tape des bars, on rigole, vas-y, on est jeune, on s'en fout, tu vois.
c'est rock'n'roll. C'est du rap, mais c'est rock'n'roll. On s'en fout, tu vois. C'est ça. Je suis vraiment fier de cette mixtape, j'ai un kiff à mort. On est venu garder le coin, tchiki tchiki bang bang. Après ça, je fais de Ken Doff normal, je paye, wesh. Dès que je mets la main dans la poche, elles ouvrent leurs yeux et les suceurs me présentent leurs œufs. C'est dangereux. Elles viennent me faire des gros bisous parce que j'ai des gros bijoux. Lunettes noires en fichou. Moi, ce que j'attends, c'est que les gens ils écoutent et qu'ils me donnent leur retour. Est-ce qu'ils aiment le personnage? Est-ce qu'ils ont aimé les morceaux, tu vois? Moi, c'est tout ce que je demande. Moi, je veux juste les retours, les ventes. Tout le monde sait que c'est la crise du disque, tu vois? Maintenant, si les gens, ils m'en achètent 100 000, tant mieux, tu vois? Moi, je crache pas sur ça, tu vois? Mais ma priorité, là, je veux que les gens, ils écoutent. Qu'importe le moyen, tu vois? Qu'ils écoutent et qu'ils me donnent leur avis via Facebook ou par net, par mail, je sais pas, tu vois? Je connais pas tous les moyens de communication encore, mais je veux que les gens, ils écoutent et qu'ils me donnent leur avis, tu vois? Parce que voilà, je fais ça pour faire bouger les gens et si voilà. Après, si ça se vend, tant mieux. Mais si c'est écouté, ben c'est très bien. On sent pas les reins d'être bon, on veut être blindé. J'ai pas demandé à Dieu de mettre pauvre. Rien à glorer dans le ghetto, les mains sont toutes brunes. Elles s'appellent nager tout à ou alors t'en as pas de tunettes. Calcule que si tu pètes, qui sont avec toi en cachette. Comprends pourquoi je dois faire du cash, mec. Montre-lui une lien, cette monte sache, mec. L'amour est mort, tout se vend, tout s'achète. C'était une meuf là, franchement, c'est certain. Trois mots pour définir Ghetto Hood volume 2. Je dirais. Sourire, rap et bon délire. Wesh la weed, bien ou quoi mon poteau? Wesh grosse tête, ça va ou quoi baby Milo? Putain mais direct tu commences à vanner mon frère. Là tu veux que tu ressembles à moi Kiki? Ah ouais vas-y attends, attends. Ah ouais tu veux vanner? On va vanner. Pepperman sans insulte. Regarde comment t'es gros. T'es enceinte, t'attends un adjib. Yo moi Whitner, je suis le roi des gamins. T'es tellement feignant que tu dors debout pour ne pas avoir à te lever le matin. Tu crois que t'es donc mon actu du moment. Ben là y'a la Ghetto de volume 2 qui sort le 31 janvier. Partout dans toute la France, dans tous les magasins. Faut aller l'acheter, l'écouter, se renseigner. Regardez les clips, ils sont disponibles un peu partout. À côté de ça, je prépare actuellement ma mixtape, enfin, c'est une mixtape. Elle sera en téléchargement gratuit sur mon site laweed.fr. Il y a quoi encore donc ça sort pour le mois de mars. Je prépare un EP, un mini-album. Il y aura environ 8-9 titres qui sortira un peu avant l'été. Beaucoup de clips, je suis sur des projets aussi, on va dire, des courts-métrages, etc. que je suis en train de bosser dessus, scénario, on m'a invité dans plusieurs projets. Bien sûr, il y aura des concerts pour défendre la Ghetto de volume 2, la net tape. Un peu partout, toutes les infos seront sur mon Facebook, sur mon site laweed.fr, www.laweed.fr. Et voilà, tenez-vous au courant, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Album aussi, mais ça c'est pour un peu plus tard, on aura le temps de revenir sur ça. Voilà, voilà laweed la famille. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore ici là? Vous jouez la bagarre ou quoi? Foutez-vous dehors, merde! Whitney, donne-moi un flash de rhum, frère.